qui, à l'occasion des manifs contre mariage pour tous, se sont sentis portés, médiatisés, ont pu faire des actes beaucoup plus médiatiques qu'auparavant. Effectivement, à partir du moment où cette mobilisation collective allait retomber, aujourd'hui, sont à un niveau de radicalité bien plus grand. Mais en tout cas, ne sont devant des structures idéologiques qui les encouragent et qui glorifient ce type d'agression. Nous allons vers un risque de terrorisme d'extrême droite à la Anders Breivik, on l'a connu dans d'autres pays d'Europe.